Alléluia. Est-ce que la joie est là? Esengo ezali. Est-ce qu'il y a solo ozana esengo? Vraiment, tu as la joie. Vous savez que c'est un privilège. Ce privilège n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai, il y en a parmi nous qui hésitaient de venir le matin. Peut-être ils avaient des malaises. Peut-être il y en a ceux dont les enfants ont énervé. Il y en a peut-être aussi ceux dont le mari ou la femme a énervé. Et à un certain moment, il avait déjà pris la décision de ne pas venir. Mais puis finalement, il a senti quand même une pression pour venir. C'est une preuve que Dieu t'aime. Et qu'il a quelque chose d'intéressant pour toi. Alors, tu as toutes les raisons d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous mettre debout, lisons dans Ephésiens chapitre 2. S'il vous plaît. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Pouvons nous mettre. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous donnes encore cette opportunité de nous mettre devant ton peuple. Seigneur, je me joins à toi. Je m'abandonne entre tes mains pour que tout simplement je ne sois qu'un instrument pour communiquer à ton peuple ce que tu veux leur parler ce matin. Tu veux nous parler, tu veux nous orienter parce que Seigneur, tu as voulu que cette année nous puissions continuer à évoluer dans la recherche de manière permanente de ta volonté. Nous donner, nous investir à accomplir ta volonté. Et voilà Seigneur, c'est pourquoi cette parole qui nous est donnée ce matin, nous voulons qu'elle puisse porter des fruits qui pourront permettre à chacun de retrouver sa part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin... Les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. C'est vrai que nous savons que les œuvres ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Mais ce qui est aussi vrai, on ne peut pas dissocier la foi des œuvres. Parce que quand nous lisons dans Jacques, au chapitre 2, verset 17, on nous fait voir que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est comme les gens qui vous diront que on reconnaît l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît aussi le moine par son habit. Parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui porte un habit de moine, quand on va vous poser la question, est-ce que tu n'as pas vu un moine passer par ici? L'identification, ça sera l'habit qu'il a porté. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu nous rappelle une chose. Éphésiens nous parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Au niveau de français courant, on parle que nous menions une vie riche en actions bonnes. Si lui second pas de œuvre bonne, français courant précise en disant des actions bonnes. Français courant, ils ont bêta. C'est-à-dire chaque acte que nous posons,
Nous devons nous poser la question, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Alléluia. Amen. Et Alfred Quinn a encore précisé, il dit, il veut nous faire accomplir les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire les bonnes actions que vous êtes appelés à faire. Vous devez d'abord comprendre que ce sont des actions que Dieu a bien préparées à l'avance. C'est comme une route qu'on a déjà tracée. Il ne nous reste tout simplement qu'à y passer. Donc les bonnes œuvres font partie intégrante de la vie d'un chrétien. Alors, détrompez-vous des enseignements tels que les œuvres font partie de la loi et que la loi appelle la malédiction. Ce sont des faux enseignements. Parce que l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans acte, mais moi je vais te montrer ma foi par mes actes. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu est appelé à poser toujours de bons actes. Parce que ce sont les actes qui nous différencient du monde. La différence entre toi et les autres, que ce soit dans le quartier, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu professionnel, ça va se remarquer à partir des œuvres, à partir des actions. C'est-à-dire les bonnes actions doivent faire partie de la nature même de l'enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours peur d'entendre quelqu'un qui se vante pour avoir fait un acte bon, qui se vante pour avoir posé un bon acte. Ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, c'est leur nature de faire le bien. C'est un païen qui ne sait pas faire le bien et que ça lui arrive une seule fois de faire quelque chose de bon, il va maintenant commencer à raconter à tout le monde que n'eût été moi, cette personne ne serait pas ce qu'elle est. Mais un enfant de Dieu, c'est comme si je vous poserais la question. Est-ce que vous pouvez vous rappeler ce que vous avez mangé il y a 2 mois? Il faut avoir mémoire d'éléphant pour vous rappeler ce que vous avez mangé. Pourquoi? Parce que manger, c'est naturel. C'est la même chose que les actes que nous faisons. Un enfant de Dieu, des fois quelqu'un peut venir vous rappeler, vous ne savez pas ces jours-là, c'est vous qui avez fait ça pour moi. Un enfant de Dieu, des fois il oublie. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est sa nature. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit, il a préparé d'avance de bons actes pour que nous puissions apprendre à nous y appliquer. Nous devons comprendre une chose en tant qu'Église. Nous sommes un corps. Parce qu'à un certain moment, vous allez vous dire, mais bon, quels sont les actes que moi je peux poser?
Tel que nous sommes là, nous constituons un corps. La parole de Dieu représente l'Église comme le corps de Christ. Comme Christ lui-même est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Et quand nous voyons le membre, nous verrons que chaque membre a un rôle précis. Le pied a son rôle. Je dois préparer à manger. Les pieds vont m'amener au marché. Les mains vont préparer. La bouche va mâcher. Et je vais avaler. Alléluia. Amen. La même chose dans l'église. Personne ne peut dire que moi, je ne sais pas ce que je peux faire dans l'église. Quel est cet acte que je peux poser dans l'église? Je veux dire à quelqu'un, c'est pas tout le monde qui peut prêcher. C'est pas tout le monde qui peut chanter. Mais j'aime un papa dans cette église. Vous trouverez chaque samedi matin. Il est là. Il prépare l'église. Nous arrivons ce matin. C'est très beau aujourd'hui. Et je vois certaines personnes qui ont même tendance à prendre des selfies. Prendre des selfies. Parce que l'église est propre. Parce qu'on a arrangé. Mais il y a quelqu'un, un héros dans l'ombre. Une personne anonyme. Qui a fait ce travail-là? C'est la raison pour laquelle tu es content. Alléluia. Amen. Je n'oublierai jamais une histoire que j'ai déjà prêchée ici une fois. Il s'agissait d'une maman dont le travail était juste de balayer l'église. Elle balayait l'église. Mais elle avait un autre rôle. Son pasteur était un pasteur vraiment charismatique. Un grand prédicateur. Et qui de temps en temps il était invité à gauche à droite. Et partout où il faisait des grands miracles. Des grands prodiges. Il ne comprenait pas pourquoi. Mais un jour, il a commencé un peu à s'enorgueillir. Le Seigneur a révélé à ce serviteur de Dieu qu'ils sont arrivés le dernier jour. C'était le jour de la récompense. Et ce jour de la récompense, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, chacun attend qu'on appelle son nom. Il y avait une grande couronne qu'on ne pouvait pas regarder facilement, tellement elle était éblouissante. Alors quand on a amené cette couronne et la personne qu'on a appelée, c'était cette femme-là qui nettoyait l'église. Alors le pasteur dira dans son fort intérieur, si vraiment cette pauvre femme, on lui a donné une telle couronne, mais à plus forte raison, moi, quelle couronne on va me donner? Elle sera plus grande que celle-là. Personne ne pourra même la regarder. Mais quand on va appeler une seconde personne, la couronne commençait à perdre l'éclat. La quatrième personne, au fur et à mesure, on appelait, ça descendait l'éclat, et puis on va lui donner la couronne de l'éclat de la tempête.
Alors il va dire à Dieu, mais vous êtes injuste. J'étais à tel endroit, j'ai fait de grandes croisades. Il y a des centaines qui ont donné leur vie au Seigneur. J'étais à tel endroit, il y a les paralytiques qui ont marché. C'est comme ça que tu veux me récompenser. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Chaque fois que tu donnais un communiqué à l'église, tu as une campagne à faire. Il y a cette maman-là qui est entrée en jeûne. Alléluia. Elle priait pour toi. Elle jeûnait pour toi. Et ses prières sont arrivées chez moi. Et c'est parce que j'exauçais à ses prières que tu as connu le succès. Vous avez compris. Ne néglige pas ce que vous faites. Nous pouvons nous mettre là en train de prêcher. À un certain moment, on peut avoir l'orgueil. Oh, je prêche bien. Mais peut-être parce que l'intercession a fait son travail. Parce qu'il y a des gens qui ont prié. Qui ont dit, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Et le Seigneur ne m'utilise que tout simplement comme l'âne de Balaam. Vous connaissez l'âne de Balaam? Dieu avait un message à faire passer à Balaam. Mais comme il n'y avait pas un prophète, Dieu a utilisé l'âne. Et le message est passé. Donc c'est pour dire tout simplement, tu peux être ce que tu es aujourd'hui. Sache aussi, il y a quelqu'un dans la discussion totale, mais qui travaille pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous voulons dire une chose. Au-delà de tous ces aspects, nous devons comprendre, nous en tant qu'église, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un rôle exceptionnel. Voyons d'abord comment, quand Dieu a créé le monde, vous verrez qu'il avait créé les 5 premiers jours. Il avait créé beaucoup de choses. Toutes les autres choses ont été créées du premier jusqu'au cinquième. Et regardez, c'est le sixième jour qu'il avait créé l'homme. C'est-à-dire, toutes les choses ont été créées à l'avance pour Dieu. Non seulement pour que l'homme puisse dominer, puisse en jouir et puisse le gérer. En d'autres termes, Dieu en tant qu'esprit, il avait besoin d'un corps qui devait s'occuper de tout ce qui est matériel. Et ce corps-là, c'est toi et c'est moi. Si quelqu'un d'entre nous aujourd'hui a besoin de quelque chose, le Seigneur ne fera pas descendre l'argent du ciel, mais il pourra utiliser quelqu'un parce qu'il veut faire une bonne chose ou bien une bonne œuvre que Dieu a prévue à l'avance. Et il te choisit toi. Il te privilégie toi. Ne prends pas ça comme étant un droit acquis. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Et nous allons voir qu'il y a des domaines dans lesquels le Seigneur veut nous utiliser, veut nous voir produire des œuvres que lui a préparées à la mort. Mais ces œuvres-là, les bénéficiaires, ce n'est pas nous. Les bénéficiaires, ce sont les autres.
Les bénéficiaires peuvent être d'autres familles. Les bénéficiaires peuvent être d'autres églises. Les bénéficiaires peuvent être nos voisins. Et c'est pourquoi quand nous allons lire, lisons dans Genèse chapitre 22, nous avons eu le privilège de méditer presque la vie d'Abraham. Quand nous lisons dans Genèse 22, verset 18, écoutons ce que Dieu a dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Mais qui est la postérité d'Abraham? La postérité d'Abraham, ce n'est pas seulement ses descendants de, par la chair, mais c'est aussi, et beaucoup plus d'ailleurs, les descendants par la foi, qui sont toi et moi. Et il dit ceci: les nations seront bénies à ta postérité. Vous allez remarquer beaucoup plus dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle des nations, il fait la différence avec le peuple. Son peuple, c'était à lui. Quand il parlait de mon peuple, il parlait d'Israël. Mais quand il parlait des nations, c'était des autres. C'est ainsi que vous remarquerez que quand Balak avait payé Balaam pour maudire Israël, Dieu avait averti Balaam pour lui dire que ce peuple ne fait pas partie des nations. Donc, il a distingué le peuple, c'est-à-dire Israël, des nations. Mais il n'a pas oublié les nations. Et regarde ici, il dit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire la postérité d'Abraham sera la source de la bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui seront bénis parce que toi tu es là. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, on va lire 26 d'abord, verset 3. Il dit d'abord verset 2 et à 3. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Nous allons maintenant au verset 20 jusqu'à 22. Il dit: les bergers de Guérar créent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Amen. Regardez cette histoire ici. La famine arrive dans le pays là où était Isaac.
La famine était consécutive à la sécheresse. Mais Dieu apparaît à Isaac. Il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait le fleuve Nil. L'agriculture était facilement praticable par moyen de d'arrosage. Colonna et Zalaki Penza Malamu Mingi Poete et Zalaki Nanzela Maya Nil Poete Yebalako. Mais dans ce pays des Philistins, Kasina Kasina Moka, ils avaient peut-être besoin de la pluie. Basakina Posa Mboula. Mais dès qu'il y a la sécheresse, on ne sait pas nourrir ses brebis. On ne sait pas planter. Mais maintenant, dans ces occasions-là, Kasina Tangoana, Dieu va dire à Isaac, toi ne descends pas en Égypte. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Dieu sera avec toi. Quelle que soit la sécheresse, fais-lui confiance. Regarde ce qui va suivre. Et maintenant, c'est Dieu qui donne l'intelligence à Isaac. Il lui donne les connaissances même à topographie. C'est Isaac qui est capable de découvrir que ici on peut avoir de l'eau. Isaac c'est que les autres ne voyaient pas. Isaac a vu. Isaac a moni. Il a creusé le premier. Et les gens sont venus se disputer. Oh, c'est pour nous, c'est pour nous. Ils ont oublié que la source était en lui. Parce que Dieu a dit, ta progéniture sera une source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Amen. Il y a des entreprises qui ne seront pas fermées parce que toi tu es là. Est-ce que vous êtes sûr? C'est parce que vous êtes là. Isaac a abandonné, il est parti. Il a creusé un deuxième puits. Ils sont encore venus. Il a laissé et il est allé au troisième puits. Tellement qu'il y avait maintenant l'eau en abondance, ça ne valait plus la peine de se disputer. Mais à cause de qui? Les nations ont été bénies à cause d'Isaac. Alléluia. Amen. Dis-toi dans ton cœur, je suis porteur de bénédiction. Les nations seront bénies à cause de moi. Donc, on voit finalement que la présence d'Isaac est une source de bénédiction. Tu peux te rappeler aussi pour devenir une source de bénédiction pour ta famille. Vous allez lire vous-même dans Genèse chapitre 41. Là, nous allons lire l'histoire de Joseph. Nous connaissons tous son histoire. Comment il a été vendu. Comment il a été amené en Égypte. Comment il était chez Potiphar. Comment il s'est retrouvé en prison. Jusqu'à ce qu'il deviendra premier ministre. Pharaon rêve. Pharaon a une dot. Et il tremble, il ne comprend pas. Mais on lui dit qu'il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Ta présence peut changer des données. Là où tu es. Souvenez-vous même de Paul. Paul dans le bateau avec beaucoup de passagers. Mais Dieu dit, je t'ai donné ces gens, personne ne boit. Ce bateau-là, bien qu'il ait fait naufrage, personne n'était mort parce que Paul était là-dedans. Alors revenons maintenant à Joseph. Joseph. Pharaon rêve. Pharaon a une il ne comprend pas. Mais
on lui dit, il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. Et cette personne est capable de donner l'explication. Et cette personne, c'est Joseph. On appelle Joseph. Nous connaissons la suite. Et on lui posera la question. Que faudra-t-il faire? Il dit, c'est très simple. Nous aurons, comme nous aurons ces temps de prospérité, nous allons appliquer le principe très simple de l'économie. La politique de l'épargne. Vous comprenez là? Dieu lui donne de la sagesse. Il dit, les nations seront bénies en toi. L'Égypte sera bénie dans Joseph. Joseph ne va pas donner la stratégie. Joseph a pas le malam. On doit créer des silos, des greniers. Et vous savez ce qui va arriver? Quand il y aura les 7 ans de famine, tous les pays limitrophes chercheront à aller se ravitailler en Égypte. Mais quand les gens n'avaient pas l'argent, ils devaient faire quoi? C'était la main d'œuvre pour prix. C'est-à-dire en Égypte, on a commencé à les utiliser à vil prix. Donc ces gens venaient travailler comme des esclaves juste pour avoir à manger. Et vous verrez que c'est pendant cette période qu'il y a eu des grands travaux de génie qui ont été faits en Égypte. On a construit des pyramides. Est-ce que vous savez jusqu'aujourd'hui si l'Égypte est bénie, c'est à cause aussi de ça. Parce que les pyramides aujourd'hui engendrent beaucoup de recettes dans le cadre du tourisme. On vous dira en Égypte, après le pétrole, c'est le tourisme qui fait entrer beaucoup d'argent. Regardez la source d'où c'est venu. Joseph donne la stratégie. Et tous ces pays là-bas viennent. Et comme ils n'ont pas l'argent pour payer, on doit les utiliser pour travailler. Et ils font des pyramides et ils deviennent riches. Non seulement Joseph a été à la base de la prospérité d'un pays, mais il sera aussi à la base du salut de sa famille. Moi j'ai aimé ce que Joseph avait dit dans Genèse 45. Quand nous lisons 45 verset 1 jusqu'à 9, vous pouvez tout lire, mais nous allons lire quelques versets seulement. Il dit maintenant, mais vous allez lire le premier verset jusqu'au 9e, mais moi je prends seulement à partir du 5e verset. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Amen. Des bonnes choses que Dieu a préparé à l'avance pour que nous les appliquions. Dieu a envoyé Joseph en avance, quelle que soit la manière dont il était parti, vendu comme un esclave, mais il deviendra une source de salut et de bénédiction pour sa famille. Alléluia. Amen. Vous trouverez, dans certaines familles un enfant a été presque abandonné. Il a été presque abandonné. Cet abandon-là lui a montré la voie du Seigneur. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher Dieu. Et Dieu l'a béni.
Peut-être au niveau de l'église. Il a obtenu une aide quelconque. Et il a pu étudier. Il a pu attraper un emploi. Et des fois, il devient prospère. Mais quelle doit être son attitude vis-à-vis de ceux-là qui lui ont fait du mal? La tendance pour tout le monde, c'est qu'on ne veut pas les voir. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Mais tu oublies une chose que Dieu avait utilisé cette méchanceté pour que tu le cherches. C'est comme une femme qui était malmenée par son mari. Le mari l'a malmenée. Et la femme a appris à partir de cette douleur à chercher la face de Dieu. Et il a trouvé Dieu. Et Dieu l'a béni. Quelle doit être son attitude vis-à-vis de son mari? Voici la meilleure attitude. Dieu tout simplement que si tu m'aurais mis, tu m'aurais traité comme une princesse. Peut-être je n'aurais pas cherché Dieu. Mais c'est à cause de ce que tu as fait. À cause de toutes ces douleurs que tu m'as fait subir. Ça ouvrait pour moi la voie d'aller chercher Dieu. Et voilà, aujourd'hui je suis là où je suis. En tout cas, mon chéri, viens, mange. Parce que tu étais l'instrument que Dieu a utilisé. Alléluia. Les chemins de Dieu sont compliqués. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Il y a aussi les gens que Dieu a envoyés pour travailler à côté de certains décideurs. Parce que tout simplement, il a besoin de sauver toute une nation. Parce que toi, le Seigneur a dit, les nations seront bénies en toi. Tu es porteur de la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction qui t'a placé là où tu es. Le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, verset 12. Il dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te fais maintenant le secours, si tu t'étais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si cette Bible est la vôtre, soulignez cette phrase. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné tout. Dieu a ouvert une voie. Peut-être aujourd'hui tu as eu beaucoup d'argent. Tu n'as pas encore décidé ce que tu vas en faire. Mais tu arrives ici. On te dit, il y a un projet. Le Seigneur te dit. Qui sait si ce n'est pas à cause de cette occasion que le Seigneur t'a béni? Il
Je ne suis pas en train d'exercer la pression sur quelqu'un. Je voulais tout simplement rappeler que le Seigneur avait placé Esther. Esther ne savait pas pourquoi elle s'est retrouvée dans la cour du roi. Peut-être elle croyait que c'est à cause de sa beauté. Et pourtant, il y avait un plan maléfique qui était déjà préparé aussi dans le monde des ténèbres pour éliminer les Israélites. Mais quand son oncle Mardoché a appris, c'est à ce moment qu'il s'est approché d'Esther pour lui demander d'aller plaider auprès du roi. Esther a essayé de se justifier. Mais ici, son oncle Mardoché lui rappelle pour lui dire que si tu refuses d'aller, Dieu va trouver une solution par une autre voie. Mais toi et ta famille, vous périrez. Je ne suis pas en train de faire trembler quelqu'un. Je ne voulais pas faire comprendre la manière dont Dieu agit. Ne crois pas que quand tu dis que je ne le ferai pas, que l'Église du Seigneur va tomber. Christ est mort pour son Église. Il a payé un lourd tribut pour son Église. Et Jésus a même dit, si vous vous taisez, les pierres vont faire quoi? Alléluia. Amen. Et il lui dira que, ne sais-tu pas que si Dieu t'a positionné là-bas, c'est peut-être pour ça. Dieu peut te positionner quelque part. Sois attentif à la pensée de Dieu. Cherche à comprendre pourquoi tu es là. Dieu t'a mis là pourquoi? Parce que tout simplement, il t'a mis pour que ce qu'il a préparé d'avance s'accomplisse au travers de toi. Parce qu'il avait dit que les nations seront bénies. Donc tu es là pas pour toi-même. C'est pourquoi quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, et des fois même quand il va au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, nous devons comprendre, poser la question pourquoi il a fait. Il le fait pour un but. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. La bénédiction que Dieu nous donne entre dans ce cadre. C'est-à-dire accomplir et poser des actions que lui a préparées à l'avance. Et ces actions doivent passer par nous. Mais dont la finalité sera sa gloire. Alléluia. Amen. Totanga mokanda de Deutéronome ya moto silisa. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. D'abord verset 13. Nzela liboso nzela ya 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies pas que Dieu, que l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui,
son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne, quand Dieu te bénit, ne dis pas que c'est ma force. Il te promet, il dit, moi je te bénirai. Il rappelle ici l'alliance qu'il a donnée à nos pères. L'alliance qu'il a donnée à Abraham. Mais il dit, quand nous sommes bénis, n'oublions pas que c'est lui qui donne la force. Celui qui ouvre le voie. Celui qui ouvre les opportunités. Je prie et je crois fermement. Parmi d'autres jeunes qui est présente ici. Il y en a qui seront élevés. Je suis convaincu. Dans les années à venir. Peut-être dans 2 ans. Peut-être dans 3 ans. On aura beaucoup qui auront beaucoup d'argent. Mais que cet argent-là ne puisse pas vous amener à vous enorgueillir. Souviens-toi, c'est Dieu qui t'a fait marcher dans les moments difficiles. Il t'a fait traverser dans le désert. Mais le moment est arrivé. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Et quand il se souviendra de toi, ô jeunesse, Ne cherche pas de nouveaux amis. Le Seigneur t'a béni. Tu as maintenant de nouveaux amis. Tu as de nouvelles relations. Tu as de nouvelles fréquentations. On t'appelle à la cellule, tu n'as pas le temps. À l'adoration, tu n'as pas le temps. À l'intercession, tu n'as pas le temps. Et il dit, souviens-toi. Le Seigneur ne te bénit pas pour que tu le fuis. Le Seigneur te bénit pour que ce qu'il va te donner lui apporte gloire. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais paraphraser l'ancien Simon qui avait dit un jour ici, il y a certaines personnes dont leur bénédiction est cachée derrière la vôtre. Donc le Seigneur dit tout simplement, quand il te bénit, il ne l'a pas fait pour toi. Mais tu as été seulement un canal. C'est la raison. Un conseil est donné aux enfants de Dieu. Quand tu fais du bien, la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites-les comme si vous faisiez pour Dieu. N'attends pas les remerciements des gens. Ne t'étonne pas que c'est lui que tu as aidé hier, aujourd'hui qui parle à mal de toi. Tu n'as été tout simplement qu'un instrument. Toi, tu n'as fait que ton devoir. S'il veut parler à mal, laissez-le parler à mal. Mais continue à faire le bien. Quand la parole de Dieu nous dit, ne vous lassez pas à faire le bien. Car je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon ses œuvres. Et quelles sont ses œuvres? Des œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions les appliquer. Et Dieu bénisse sa parole.